Excusez-moi, mes sources indiquent que vous êtes passé récemment dans un entrepôt. Auriez-vous par hasard transmis une déclaration d'expédition douteuse à un certain monsieur Tax ? Elle avait l'air suspecte, alors j'ai pas hésité. Je représente monsieur Tax. Il vous est très reconnaissant. Acceptez ce cadeau en remerciement pour avoir porté ces irrégularités à son attention. Qu'arrivera-t-il à l'agent d'expédition qui a doublé Tax ? Tout dépend de la sincérité de ses excuses et de sa disposition à racheter son erreur. Vous avez besoin d'aide pour débusquer le responsable ? Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Tax compte passer quelques appels, en toute cordialité. Une confrontation ne s'imposera pas, espérons-le. Pas de quoi. Bonne journée. J'ai un message pour Mademoiselle Lawson. L'Anteia a réservé une chambre à l'éternité. Elle vous y attend. Merci, Idea. Tu y as pensé. C'est que nous cherchons des armes. Tu ne devrais pas prendre tout ça au sérieux. Hé, hey, j'ai 60 ans. La vie émaillée de scandale de Nassana Dantus a connu une fin tragique. La femme d'affaires a en effet été tuée à son bureau. Si la police n'a pas encore identifié de suspect, Mademoiselle Dantus s'était fait de nombreux ennemis durant sa carrière. Cette passation de pouvoir promet un regain de stabilité pour cette entreprise plongée jusque dans la tourmente, et le cours de l'action Dantus s'est donc envolé. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Oriana va bien ? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'Eclipse quadriller le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niket. C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Ilium, Mademoiselle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que Mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire ? L'Anteia, nous allons suivre la proposition de Niket. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, Mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ses hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket ? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse, mais eux n'ont rien vu venir non plus. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas ! J'ai dit tirez pas, bordel ! Je m'en occupe. Puisque
que vous ne tirez pas. J'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein ? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niket. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Niket ? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi ? On ne devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala ? Ça serait pas dans votre intérêt. Elle est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle. C'est ce qu'elle vous a raconté ? Non, cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il la cherche. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie. Je sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça dégénère. Je vous suis. L'ennemi résiste ! Demandez des renforts au capitaine Eniala !
Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique, mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine ? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille. Mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami. Toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille. J'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niket d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises ? Il va falloir traverser des tapis roulants. Ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niket est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niket pour vous atteindre ? Il a sans doute essayé. Mais Niket est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains, Shepard. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, faut qu'on trouve Niket et Oriana. D'accord.